Bon, on est au Maïdo, donc après on va dire 13 km 41 depuis la maison. Je suis parti vers les 1h à peu près. Donc vitesse maxi dans la montée 21,2, vitesse moyenne 14,4, ça va, le cœur il y est encore. Temps de trajet, on a pris donc 55 minutes et 45 secondes. On est presque arrivé au Maïdo, très beau ressenti dans la montée. Il reste 21 km d'autonomie, on va continuer un petit peu jusqu'à l'entrée du sentier. Donc on y va toujours en mode éco, ça fonctionne super bien. Regardez, je fonce pas, je passe les vitesses et je pédale. Comment se dire qu'on a des jambes? Les jambes de Yannick Cornille ou de Giovanni Gontier dans la montée sans trop forcer. Puisqu'il faut pédaler, parce que si j'arrête de pédaler, ça avance plus. Et là, on relance. Très bon comportement des suspensions. On entend très peu le moteur. Allez, hop, je pédale. Voilà. Je suis à 12-13 km/h. Je monte, je peux parler. C'est simplement formidable. Là, toujours en mode éco. Je pédale, je prends le chemin, hop. À tous ceux qui disent faut pas pédaler, eh ben faut quand même pédaler. Hein. C'est sûr que ça aide un peu dans la montée. Aïe. Après sur le mode déco, hein. Si je mets le mode tour, c'est sûr que ça avance un petit peu plus vite. Mais l'autonomie de la batterie et restreint. Je vous montre un petit peu. Allez, là je passe en mode tour et voilà. Donc là ça appuie un peu plus sur les pédales. On va descendre parce que là j'aimerais bien monter le plus haut possible. Voilà. On est à 19, tout à l'heure en mode tour, on passe direct à 9 km. Bon, je vous dis à tout à l'heure pour la descente. Tchuss.